Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve comme tu peux le constater pour enfin ma manga tech. Je crois que la dernière vidéo date de 2016, donc je m'en excuse. Je comptais en faire une l'an dernier, mais je n'ai pas eu le temps. Et le problème aussi, c'est que cette pièce, est très très mal éclairée. Là, j'ai utilisé un parapluie et de lumière. Et je pense qu'il y a une étagère où ça va être vraiment galère de te montrer ça correctement avec une bonne qualité d'image. Donc je m'en excuse d'avance. Donc en ce qui concerne la mangatech, je tiens à préciser que en fait, quand tu vois les séries comme ça, ce sont que des séries finies, sauf quand, par exemple, en haut là, tu vas avoir donc Mask & Oz parce que j'ai fait un crash test, donc je peux me permettre de mettre la série ici, ou en bas, je vais te baisser un tout petit peu, ici, voilà, on a aussi Love Under Arrest, que j'ai aussi fait en crash test, donc il se retrouve dans les étagères de séries terminé. Surtout que les crash tests à part pour par exemple Mask & Oz, mais Love Under Arrest est une série terminée au Japon, donc je les mets là. Donc en ce qui concerne par contre les mangas où j'ai que le premier tome etc et que je n'ai pas lu, j'ai donc deux lignes complètement dédiées sur la troisième étagère que je ne te remontrerai pas dans cette vidéo car j'ai déjà fait une vidéo à son sujet. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le samedi 11 août. Donc ce qui explique en fait que je suis clairement en train de mourir de chaud entre l'éclairage et la pièce qui est une pièce très chaude, mais toujours est-il. Donc on va commencer avec la première ligne qui était celle du haut et donc on est avec la maison d'édition Glénat. Pour cette vidéo je ne te dirai pas donc quels sont les titres que je vais mettre de côté pour relire quand j'aurai déménagé. Tout simplement, quand c'est des séries très très courtes, par exemple Mais moi je l'aime, je vais le relire mais je vais le faire très rapidement parce que voilà c'est une série courte. Mais quand c'est des séries voilà, un peu plus longues que 2 ou 3 tomes, je les mets de côté et je vais les relire quand j'aurai déménagé. Voilà. Et en ce qui concerne les titres, donc aujourd'hui sur Instagram, j'ai posté un sondage pour savoir si ça vous intéressait ou pas que je vous cite les titres. Si tu n'as pas pu répondre au sondage ou tu as envie de me répondre, Non, ça doit être de ce côté-là. Enfin, je te laisse aller voir dans le petit i, je te mettrai un sondage pour que tu puisses me dire tout ça. Donc on va voir le titre « Mais moi je l'aime » de Wataru Yoshizumi. Comme tu peux voir d'ailleurs, on a toute la collection... Enfin... Toute ma collection, pas toute la collection, mais toute ma collection de Wataru Yoshizumi, qui est un mangaka que j'apprécie énormément. Voilà. Donc on va avoir Mais moi je l'aime, Spicy Pink, Cheris, PXP, je n'ai jamais su comment ça se disait. D'ailleurs, à savoir que ces deux-là, ce sont des josei qui sont très 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 intéressants. Voilà, je te le dis au cas où. On va voir donc Ultramaniac tome 1 et 2. Je crois que c'est une série qui est en 5 tomes, mais j'ai abandonné en cours de route. Je crois que c'est ça. Je suis plus trop sûre. Mais j'ai dû garder, je pense, les deux premiers tomes par collection. On va voir le manga, Random Walk, qui est... Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais il est en 3 tomes. On va voir Alice 19TH, j'ai jamais su comment ça se disait, de You Watase. D'ailleurs, You Watase, tu verras un peu plus bas que j'ai d'autres titres. Je les ai mélangés, je ne me demande pas pourquoi, il faut que je range ma manga tech. Ensuite, on a donc le one shot de Mon voisin Totoro. Donc je suis désolée, je parle un petit peu trop. Donc tu peux voir d'ailleurs que j'ai quelques figurines. Tu en verras pas beaucoup dans la vidéo parce que je pense te faire une vidéo spéciale dessus. Je te remets un sondage en i. On va avoir l'apprenti mangaka qui est en fait de Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball Z. Et en fait ce n'est pas vraiment un manga mais c'est un guide pour apprendre à apprendre justement à dessiner avec les personnages d'une des séries. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs cette série. Mais toujours dit que j'ai vraiment vraiment apprécié ce volume et je le trouve vraiment très intéressant. En plus ça permet d'apprendre tout en s'amusant je trouve. Donc ça c'est pas mal pour moi. On va avoir Mask & Oz. Donc j'ai fait une vidéo crash test avec les deux premiers tomes et j'ai continué d'acheter la série. D'ailleurs au jour où je filme, d'ici le 15 je pense que je vais acheter la suite. On va avoir l'affaire Sugaya que j'aurais déjà présenté sur la chaîne il n'y a pas très très longtemps parce que ça c'est une vidéo du mois d'août. Donc en ce qui concerne les figurines, je vais quand même te les présenter vite fait. Donc on a en fait Ryuk, si je dis pas de bêtises, et Misa, qui sont des coffrets collecteurs DVD, voilà, de l'animé. On a Pierre, donc de Pokémon, je sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'était même à mon ex qui me l'a refilé. On va avoir une carte postale qu'on m'avait offert, que je crois que c'était une abonnée ou une collègue youtubeuse manga, je sais plus qui me l'a offert. Donc du tombeau des Lucioles. Et pour terminer en fait on a les boosters de Mewtwo et Lugia. Mewtwo est mon Pokémon légendaire préféré avec Sulfura mais c'est quand même Mewtwo le numéro 1. Et on a Lugia qui représente ma meilleure amie parce que c'est son légendaire préféré. Voilà. Et je sais pas si on l'a vu tout à l'heure alors je vais quand même te le montrer. J'avais un petit Noctali ici. Voilà je te le mets ici.
Donc on passe à la deuxième étagère, on se retrouve donc avec la maison d'édition Cana. Donc j'ai aussi d'ailleurs, petite précision, j'ai fait une vidéo conclusion de maison d'édition avec Cana. J'ai pas fait pour Glénat parce que j'avais pas beaucoup de titres et je trouvais ça pas forcément des masses intéressants. Je sais que chez Glénat il y en a pas mal de titres d'ailleurs que j'ai revendus, mais bon, je vais attendre quand même un petit peu pour voir, pour faire la conclusion de maison d'édition Glénat. Je te mettrai d'ailleurs peut-être dans la barre d'infos le nombre de titres que j'ai et tu me diras si ça t'intéresse ou pas, je la fasse maintenant ou que j'attende. Toujours est-il, on va voir donc le manga 5 terminé en 15 tomes. Alors, à savoir en ce qui concerne ce manga, déjà je l'ai lu avant la chaîne YouTube, donc je vais le relire quand j'aurai déménagé. Pour ceux qui me poseraient la question au cas où, c'est prévu pour février, logiquement, si tout va bien, ou avril 2020. Voilà, parce qu'apparemment, je vais peut-être avoir des emmerdes pour pouvoir le déménager en février, donc je vais peut-être devoir reculer à avril. Toujours est-il qu'à savoir qu'en ce qui concerne cette série, comment dire, il y a une suite au Japon. Nous, on l'a pas encore eue. Je vais voir avec la maison d'édition Kana s'ils envisagent ou pas de le faire un jour. Et voilà. C'est à savoir. Ensuite, on a le manga Le Sablier que je t'ai présenté il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne. Donc, après le manga Le Sablier, on a le manga Détenu 042 qui est terminé donc en 5 tomes. Mais attention, il a été stoppé au niveau commercialisation. Mais on le retrouve très facilement, je trouve. On a le manga Bullet Armor que j'ai présenté, mais il faudrait que je le refasse, je pense. Et à savoir que le manga est sorti il n'y a pas très très longtemps parce qu'il est sorti pendant que j'ai commencé YouTube. Voilà. Ici, on a donc Blue Spring Ride, on a le tome 1 en japonais, et ici, on a en fait après un extrait gratuit normalement du manga. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Ou alors c'est Detention Shooting Star, non, je sais pas. Non, même pas parce que c'est ça. Bon, en tout cas, c'est un extrait Kana. Hein, voilà. Devant les mangas Blue Spring Ride, on a en fait l'intégralité de Daytime Shooting Star plus le tome 1 en japonais. Je me pose la question d'ailleurs si, quand je vais déménager, si je devrais pas mettre les tomes 1 en japonais sur une ligne à part ou si je dois garder comme ça. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse. On descend et donc on atterrit sur la troisième ligne et donc là on atterrit avec la maison d'édition Delcourt. Et si je dis pas de bêtises, je t'ai fait une vidéo conclusion de la maison d'édition Delcourt. À vérifier, de toute façon je te mettrai toutes les conclusions de maison d'édition dans la barre d'infos. On va voir donc le manga J'aime les sushis. Je l'ai présenté mais il y a très longtemps, je pense que j'ai dû supprimer la vidéo donc je le représenterai. On va voir Girlfriend. Je vais y arriver, je suis nulle en anglais donc tu m'excuseras, voilà. Qui est un manga en 5 tomes mais le manga a été stoppé. Ensuite on a donc le shonen Hide and Closer. D'ailleurs, Girlfriend c'est un seinen au cas où. Les 5 figurines aussi au passage qui sont sur cette étagère viennent de l'anime ROD et ROD TV. C'est un anime que je possède, donc si vous avez envie que je le présente, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me ferait très plaisir aussi de le re-regarder. Après, on atterrit directement sur la même mangaka qui est donc Natsumi Aida, qui a donc écrit le manga Switch qu'on peut apercevoir. Mais d'abord, on a donc le manga Class, le manga Virgin Complex. Après, donc, on a la série Switch Girl. Alors là tu vas voir, en fait je n'ai pas tous les volumes parce que en fait si tu regardes le tome 17 il est ici et je me suis arrêtée au tome 17 tout simplement parce que après j'ai considéré que la série je considérais tout simplement que la série pouvait s'arrêter au tome 17 donc je me suis arrêtée au tome 17, voilà. Et j'ai fait des bilans lecture vu que la série s'est terminée il y a peu en France. Donc on a une sublime figurine de Tortank qui est assez grosse quand même et que j'ai eu tout simplement dans un vide-grenier. Et ce que je voulais en fait que tu vois surtout c'est après le tome 1 ici. Ici on a donc le volume bonus de Switch Girl. C'est marqué Special Book, voilà dessus. Après on a donc en blanc, je pense que tu l'as vu, le manga en version japonaise. Et le manga, on va dire orange, je sais pas comment il ressort à la caméra mais il est orange. C'est en fait le tome 1 de Switch Girl, mais en allemand. Voilà, parce qu'en fait quand j'adore une série, j'aime bien avoir le tome 1 en japonais, comme tu as pu le voir avec Switch Girl et Blue Spring Ride. Mais j'aime bien, si je trouve, avoir le tome 1 en allemand, et on peut les trouver très facilement sur le site Momox. Voilà. Momox est un site allemand, donc tout simplement ils vendent des mangas en allemand et aussi en français. Quand on descend et on atterrit donc sur la quatrième ligne, on se retrouve donc avec en fond du Delcourt et du Delcourt Tonkam. J'ai fusionné les deux sur la même étagère. Je voulais quand même que tu vois comment c'est réellement,
Parce qu'après, je vais enlever forcément pour que tu puisses voir le fond. Au cas où, le crayon, on me l'a offert. C'est une abonnée ou une collègue youtubeuse, je ne sais plus qui me l'a offert. Et ici, en fait, ce sont donc des évolutions en forme de Pokéball. Et c'est tout simplement ma meilleure amie qui les a fabriquées. Et si tu les veux, ben, je te mettrai le lien de sa chaîne YouTube tout en haut de la barre d'infos. Et en fait, tu peux très bien lui demander de te les faire. Voilà, parce que c'est une vendeuse de création Fimo et moi j'avais fait d'ailleurs une vidéo ouverture si tu veux voir le rendu et à quoi ressemble d'un peu plus près. Je t'invite tout simplement à aller voir la vidéo. Donc nous sommes sur l'avant-dernière étagère, la dernière étagère vraiment remplie. Et donc on a d'abord en fond la maison d'édition Delcourt. J'ai tout simplement au départ voulu faire deux lignes entières de Delcourt. On a bien entendu à gauche donc le premier manga que j'ai lu dans toute ma vie, le manga Fruit Basket. Voilà. On peut même voir que j'ai un des deux volumes bonus, qui est le violet tout à droite. Je n'ai pas le deuxième parce que je n'ai jamais pris le temps de l'acheter et qu'en ce moment, sur mon Mox, il est un petit peu trop cher. Voilà, pour être honnête. Donc le manga Fruit Basket, je compte le relire quand et le présenter. Donc parce que vous avez été nombreux à me dire que finalement vous voulez la présentation. Je le relirai quand en fait le tome 3 de Fruit Basket Another sera sur le point de sortir. Voilà, un mois avant, je pense. Histoire de me laisser en fait le temps de lire Fruit Basket correctement et après de donc enchaîner avec Fruit Basket Another pour te le présenter vraiment au niveau de la sortie du tome 3 vu que la série devrait être terminée normalement en 3 tomes. Ensuite on continue avec le manga My Girlfriend is a Fiction qui est un manga que je t'ai présenté. Il est donc terminé en 4 tomes et ça a été vraiment un méga coup de cœur. J'ai vraiment adoré le message que proposait ce manga donc je tiens à le préciser. Ensuite on a un manga qui est le manga Enfin Ensemble. J'ai fait la présentation, elle est pas forcément terrible. Mais si tu veux avoir un avis bref, je l'ai présenté dans une vidéo conclusion spéciale Josei. Voilà. Ensuite on va avoir le manga Twilight Star. Et Twilight Star, il faudrait clairement que je le relise. C'est de Natsumi Takaya, donc qui est l'auteur en fait de Fruit Basket. Voilà, au cas où. Donc comme tu as pu le constater tout à l'heure, en deuxième couche, on a donc le manga Alice in Borderland, qui est donc un manga des éditions Delcourt puis Delcourt Tonkam, qui est terminé en 18 tomes. Je te l'ai présenté il y a peu sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller voir la vidéo si tu veux mon avis. Et donc il y a une plus ou moins suite qui va pas tarder à se terminer, et je te la présenterai bien entendu quand elle sera sur le point de se finir. On termine donc avec cette ligne, avec le côté Delcourt Tonkam. On va avoir donc les tomes 1 et 2 du manga Love Under Arrest. Donc en ce qui concerne ce manga, j'ai fait une vidéo crash test, c'est pour ça qu'il se retrouve donc ici. Ensuite on a le tome 1 de Fruit Basket en version allemande. On a Fruit Basket Another, le tome 1. Le tome 1 du double tome, donc la nouvelle collection de Fruit Basket. Par pure collection, même si je pense que je vais clairement acheter la série en entier. On va avoir le manga Prince et Héros, qui est un manga en 4 tomes que j'ai présenté. Et on va voir Horse Summer Holiday qui était vraiment un manga très intéressant et c'est un one shot. Donc c'est très intéressant aussi parce que ça coûte pas cher. Nous sommes donc sur la dernière étagère et c'est qui est en fait une espèce de fourre-tout. Voilà. Et je suis obligée de te prévenir que si tu vois que la caméra tremble, c'est tout simplement que mon trépied est trop grand pour que je puisse filmer cette ligne là. Donc on a tout à gauche une boîte de Kit Kat au chocolat noir. En fait je me suis rendu compte qu'en France c'était du chocolat au lait. Et que Candy San proposait donc des Kit Kat au chocolat noir. Donc j'ai gardé la boîte en souvenir. Ensuite on a donc le manga en fond Arashi no Cerez qui est de Yu Watase, qui est l'auteur de Alice 19TH qui est donc de Glénat. Un mangaka qui a pas mal d'œuvres. Donc si tu vois qu'il t'intéresse, bah, sache qu'il y a beaucoup d'œuvres. Et donc quand je te disais que c'était une étagère pour tout simplement parce qu'en fait on se retrouve avec le tome 1 de Sugar Run. Donc en fait c'est Chocolat et Vanilla en français, des éditions Kurokawa en France, et donc j'ai acheté le tome 1 en allemand parce que je surkiffe la série. Ensuite on a le tome 1, enfin le one shot de Sans aller à l'école je suis devenue mangaka qui est de Akata, sauf que là c'est la version japonaise, donc pareil je savais pas où le foutre, surtout que la ligne Akata a double couche comme ça et que j'ai déjà plus de place alors que je vais avoir d'autres séries à lire. Et quand je te disais en fait c'est une étagère fourre-tout parce que là c'est du Pika, alors que tu verras que c'est le Pika, c'est sur la deuxième ligne. Mais en fait au départ j'avais mis ici tous les mangas de Clamp, sauf qu'en fait je viens d'en dégager là juste avant la vidéo, 3, que je vais revendre, 4 même, ok. Donc on va voir School Clamp Detective qui était un manga en 3 tomes, il existe aussi en animé à savoir, faut que je le relise. Et après on a J'aime ce que j'aime qui était un manga en 3 tomes qui était plutôt pas mal, j'avais bien aimé à l'époque, mais j'étais encore très jeune, j'avais venu de commencer le manga donc c'est à savoir. Et pareil je vais le relire.
Je le relirai avant de déménager vu que c'est des séries courtes. Et ensuite, ici, on a Le Dernier Envol du Papillon, qui est un manga des éditions Glénat. C'est un one-shot, mais il est trop grand, donc c'est pour ça qu'il est comme ça. Et je l'ai présenté aussi sur la chaîne. Donc voilà en ce qui concerne la première étagère, et on va attaquer avec la deuxième. Et tant que je t'ai, je voulais te demander si ça t'intéresserait que je te présente mon anime tech, je sais pas du tout comment on dit, ma collection en fait de DVD animés. Et on passe à la seconde étagère. Nous sommes donc sur la deuxième étagère, la première ligne tout en haut, et en fait l'étagère là est bien plus grande, car déjà elle est plus grande que moi alors que l'autre en fait elle était à ma hauteur. Donc voici à quoi ressemble la collection Boss Love, et quand je te dis que je fais une sélection draconienne, c'est tout simplement que là, en fait j'ai la place encore pour mettre un livre à plat. Et ça me fait, si je dis pas de bêtises, 18 mangas, mais il faut que je vois si en fait tout en longueur aussi ça irait pas mieux. Mais là pour l'instant je les ai mis à plat parce que ça permettait en fait de voir encore ce qu'il y avait en fond. Donc je vais d'abord t'enlever ce qu'il y a devant, et on va faire d'abord le fond et après ce qu'il y a devant. Quand on est sur la ligne du fond, on se retrouve tout simplement avec les Boss Love, mais les Boss Love IDP, donc ceux qui sont à 4,99€. Comme tu peux le constater, il y a un manga de Taifu qui est mélangé tout simplement parce que c'est la mangaka Junko et que j'ai mis les autres mangas de cet auteur sur cette ligne, parce que tout simplement c'est les éditions après Boss Love qui avaient cet auteur. Donc je les ai rangés par ordre de numéro. À savoir qu'en ce qui concerne les Boss Love comme ça, ceux-là, et les premiers Boss Love, donc ceux qui sont sur cette ligne-là, qui sont donc maintenant derrière ça, je vais tous les relire pour tous te les représenter dès que j'ai déménagé, comme ça au moins ça te fera, je pense, 2 yaoi par semaine. Voilà. Donc je te fais vite fait une prise d'un peu plus près, je suis désolée si ça tremble, pour que tu puisses bien lire toi-même les titres, parce que là je vais pas tous les citer, il y en a beaucoup trop, et puis c'est des one-shots. Voilà. Donc tout à l'heure on était à Yanchaka et on va avoir donc tous ces titres là aussi de Boss Love que je vais relire. Mais ça par contre je vais essayer cela, Léana, de te les relire plus rapidement avant le déménagement. Alors que les Boss Love IDP je les représenterai donc après. À part ceux qui ont été présentés en 2017 et 2018, parce que ça forcément les vidéos sont plus ou moins correctes. J'en profite d'ailleurs pour répondre à une question parce que j'ai fait donc une vidéo battle Yaoi, donc avec Léana et les Taifu, et je n'ai pas fait une vidéo battle avec ces titres là tout simplement parce que justement je me souvenais pas suffisamment de tous ces titres pour en faire une, mais dès que j'aurai relu tout ça je te ferai donc une vidéo conclusion spéciale Yaoi de Boss Love IDP. Donc en ce qui concerne Léana, si tu veux vraiment un avis, alors à part cela et les vidéos sont très récentes, et surtout j'ai fait une vidéo battle pour te dire vraiment qui était le meilleur. Donc là aussi on a un Taifu, mais tout simplement parce que c'est Kikana et c'est un mangaka que je possède aussi avec l'étranger de la plage et l'étranger du zéphyr que je n'ai pas là tout simplement parce qu'il faut que je lise l'étranger du zéphyr. Donc on a Quella Under the Snow, Adolescent Boy Hit, I Have No Idea About Boy, il y a Marie Gakiko Eru qui a une suite et il faut que je te le présente. On va avoir Zetai Boyfriend, Viens là mon amour, Plus que des amis, Motz qui est vraiment une tuerie, Nouveau départ aussi, I Hate You Samsei qui était pas mal aussi. De toute façon là si je les ai ici c'est que c'est vraiment les meilleurs. J'ai fait tomber un truc, ce n'est pas très grave. Et donc on va terminer avec les 3 derniers tomes de Boss Love que j'ai lu et que j'ai gardé. On a donc le manga Talon Aiguille Rouge, Glass Love and the Bird, Bluebird pardon. Et Endless Sound, je ne sais plus du tout si ça se prononce comme ça. Une fois de plus, je ne peux pas faire mieux côté éclairage tout simplement parce qu'on est bien trop haut. Et donc, quand je te disais justement que le trépied ne va pas plus haut, c'est que là, je suis au maximum. Donc, on a d'abord 2 séries des éditions Asuka. Donc, ce sont les séries qui ont été stoppées au niveau commercialisation parce que ce sont des shoujo et que Asuka maintenant ne fait plus de shoujo. On a donc le manga Secret Girl qui est un manga qui était vraiment pas mal. Et on a le manga Dingue de toi aussi que j'avais surkiffé à l'époque. Mais à l'époque c'était quand j'ai commencé les mangas donc j'étais bien plus jeune. Là j'ai très très peur de le relire honnêtement. Ensuite on passe avec la maison d'édition Pika sur la même ligne tout simplement parce que voilà. Asuka ça prenait pas beaucoup de place donc je l'ai mis avec les Pika. On va avoir d'abord le manga Remote qui est un manga donc de la collection de Senpai qui est terminé en 10 tomes et qui a été stoppé. Voilà je le dis au cas où. On a Rob is Rob et Rob is Zero, qui sont donc de l'auteur Toru Fujisawa, donc l'auteur de GTO. Quand on continue, on voit que j'ai
C'est ma collection en fait, Toru Fujisawa tout simplement. Et on a un mignon qui s'est cassé la gueule, tout va bien. Donc on a le manga GTR, Kamen Teacher, Kamen Black Teacher qui est la suite. Et on a les deux premiers tomes de GTO dans la nouvelle édition. Voilà. Donc on est tout simplement avec Pika et du Seinen slash Shonen pour cette ligne. Ensuite on a quelques tomes de Maid-sama. Donc sur la couche au-dessus, on a tout simplement quelques volumes de Maid-sama. Alors pourquoi je n'ai pas tous les tomes? Tout simplement, alors là j'ai 1, 2, 3, 5 et 11. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais la collection Maid-sama, je l'ai lu, je l'avais présenté au tout début de ma chaîne que j'ai supprimé. Et je l'ai revendu comme un con. Donc là je regrette amèrement et je suis en train de racheter petit à petit, en occasion bien sûr, les tomes de Maid-sama parce que je crois qu'il y en a 20. Et au cas où, ceci, ce n'est pas du tout une toile d'araignée, c'est une perruque. C'est la perruque de du capitaine dans Bleach, j'ai perdu son nom. Quand on descend, on atterrit une fois de plus sur une ligne des éditions Pika, car j'avais vraiment beaucoup de volume et je voulais quand même pouvoir voir en fait les séries que j'avais. Donc on a en fond, comme tu peux le voir, le manga Love Mission, et on n'a que ça en fait, parce qu'il y a 19 tomes, donc ça va jusqu'au bout. Devant, donc on a le manga Jeux d'enfants, qui était plutôt pas mal. J'étais déçue de la fin, mais après à voir, parce que l'auteur a écrit une suite. Est-ce qu'on l'aura ou pas en France? Ça, j'en sais rien du tout. Donc on continue, après Love Mission, on a Me, Myself and Him, qui était un manga donc en 3 tomes, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, parce que je l'ai présenté dans ma chaîne. Un amour de bento que j'avais lu, mais qu'il faudrait que je relise. Sauf que le problème est que déjà à l'époque où je l'ai lu, je trouvais que j'étais plus trop le public visé et que j'ai vieilli entre temps. J'ai dû prendre 2 ans, je pense. Ensuite, on continue avec la magnifique œuvre David David, terminée en 15 tomes. Ça, c'est du shonen que j'ai vraiment surkiffé, que j'ai dû relire un nombre de fois incommensurable et qui a été stoppé il n'y a pas très très longtemps. Et ça fait chier, honnêtement. On voit aussi d'ailleurs, là, on a en fond. Ici, c'est en matière un peu squishies, mais pas vraiment, je sais pas comment dire. Ce sont donc les deux premiers items de Kirby que j'ai commencé à collectionner, à savoir que je collectionne Kirby. Et que tout à l'heure, j'ai oublié de te dire, mais on avait donc des porte-clés Tsum Tsum qu'on peut retrouver à Jiffy. Et j'ai ceci aussi en item de Pika. Je crois que c'est de l'omission, mais je suis plus trop sûre. Et pour terminer, tout en fond en noir, je vais être obligée de prendre le parapluie pour que tu puisses mieux voir. On a le manga Genzo le Marionnettiste, un manga terminé en 5 tomes que j'ai présenté il n'y a pas très très longtemps et qui a été stoppé au niveau commercialisation. Et là aussi, c'est méga dommage. On atterrit sur la quatrième ligne et la quatrième ligne est principalement dédiée à la maison d'édition Kazé, mais j'ai une série de Taifu qui se bat en duel avec les Kazé. Qui est clairement en train de se faire écraser, mais c'est pas grave. Je ne savais pas du tout le match. Je pense que je vais le décaler avec l'étagère fourre-tout. Voilà. Ici, on a quelques cartes postales que j'ai donc en rapport avec Kazé. Donc, comme tu as pu le voir depuis tout à l'heure, en fait, ici il y a un Yoshi et ici il y a un Todd, tout simplement parce que de base il y avait beaucoup plus de figurines, mais je les ai enlevées pour la vidéo. Et c'est une étagère où je mets ma collection d'items en rapport avec Mario et Yoshi. À savoir que je fais une collection sur Mario, l'univers Mario, et sur Yoshi aussi séparément, et Todd séparément. On a donc le coffret des 3 premiers tomes de Rainbow Day, qui est un manga terminé en 15 tomes. J'ai lu les 3 premiers tomes, enfin les 2 premiers, et j'ai fait une vidéo, pour mon avis, sur le coffret. Sauf que je n'ai pas du tout accroché à la série, mais j'ai gardé quand même le coffret, tout simplement, parce que c'est un ami youtubeur qui me l'a offert. Ensuite, on a les 10 tomes dans l'ancienne collection de Happy Mariage, parce que maintenant il a été réédité en double volume. Donc je suis clairement obligée de tenir mon parapluie pour que tu puisses voir correctement. On va avoir donc le manga Dear Brother, qui est un manga en 5 tomes de Maki & Joji aussi, et que je t'ai présenté en vidéo. Night Café, toujours de Maki & Joji, que je t'ai aussi présenté. Pushikuro, qui s'est terminé il y a peu en France, donc j'ai fait une vidéo aussi très récemment, qui est un shonen qui est vraiment vraiment intéressant. Si, moi qui lis pas beaucoup de shonen en manga, franchement il est génial. Et d'ailleurs, dans ma vidéo du 30D Challenge Manga où je parlais d'un manga que j'aimerais voir adapté en anime, ça serait aussi Pushikuro. Et donc, pour terminer, au niveau des éditions Kazé, j'ai les 4 premiers tomes du manga La Fleur Millénaire. Donc, pourquoi je n'ai que les 4 premiers tomes alors que la série est, je crois, en 15 tomes, tout simplement parce que la série, c'est pas qu'elle a été stoppée au niveau commercialisation, c'est juste que le tome, je crois, 5 ou 7 est quasiment introuvable. Et donc j'ai préféré m'arrêter aux 4 premiers tomes. J'ai fait une vidéo avis sur les 4 premiers, si ça jamais ça t'intéresse. Et voilà, je me tâte réellement à acheter le volume en numérique, mais sachant que j'ai vraiment du mal avec le numérique.
J'ai deux casiers, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est de casier. J'ai un marque-page de Platinum End. Et j'ai ceci aussi, qui est une boîte à manteaux de Nisekoi. Voilà. On descend et on atterrisse donc sur une ligne sur la maison d'édition Kurokawa. Donc, à savoir en fait que cette ligne n'est pas surchargée, alors que je possède beaucoup de titres chez Kurokawa que j'ai gardés, tout simplement parce que l'étagère du dessous est aussi du Kurokawa. À gauche, on a donc une figurine d'une maid, je ne sais pas du tout d'où elle vient au niveau de la série. Il y a juste écrit Maid Café sur le socle, et je l'ai achetée à la rue Keller, donc soit à Manga Century, Manga Store, enfin voilà, la boutique où ils en ont trois maintenant au final avec trois noms différents. Donc on a le Manga Life, qui est un manga terminé en 20 tomes, qui est vraiment très 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 intéressant, qui parle de l'automutilation, et c'est vraiment un manga qui fait réfléchir. Ça date d'il y a très longtemps où je l'ai lu, donc forcément je ne pourrais pas te donner en détail mon avis, mais honnêtement il était sympa. Alors par contre, pour ceux qui lisent assez vite ou qui lisent lentement, à savoir que moi d'habitude je mets 1 heure et demie pour lire un manga, là chaque volume de Life je l'ai torché en 3 quarts d'heure grand maximum. Voilà. Donc c'est à savoir. Ensuite on a les Nozoki Anna, un manga terminé en 12 tomes qui était vraiment intéressant, mais c'est un seinen slash presque hentai. Voilà, c'est à savoir. Ensuite on a en fond, donc je suis désolée, je peux pas déplacer le trépied, donc il faudra faire comme ça. On a en fait la série Le Prince des Ténèbres, où il y a les 10 tomes. De toute façon, la série est en 10 tomes. Et juste devant, en fait, on a le manga Worlds. Je vais te le montrer. Qui est donc la partie 1. Voilà. Ça, c'est une saison 1 en fait, et ça, c'est la saison 2. Mais on peut très bien lire la saison 2 sans lire la saison 1 et comprendre tout à fait la série. Là, c'est plus pour être concentré sur le personnage qu'on voit ici, qui est le personnage de la cigale que l'on retrouve dans l'autre série. Voilà. Et une petite Kokichi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième ligne de Kurokawa. Donc, en fond, en rose, on a les 14 tomes qui forment la série Cosplay Animal. Pareil, là aussi, je peux te le dire, je vais le relire parce que je l'ai lu avant la chaîne YouTube. En fond, ici, on a le tome 1 en japonais et le tome 1 en allemand de Je t'aime Suzuki, qui est juste à côté, qui est en jaune, et qui est une série quand même terminée en 18 tomes, si je ne dis pas de bêtises. On va voir ça ensemble. Oui, 18 tomes. Ici, on a deux séries que j'ai du mal en fait à avoir l'idée de m'en séparer. Bon, les petites fois, il faudrait que je les relise pour après les revendre. Mais Arata, j'avais lu les premiers tomes et j'avais surkiffé la série, sauf qu'en fait, je crois bien qu'elle est en pause, par l'auteur, je veux dire. Donc voilà. Ensuite aussi, à savoir que ici, normalement, il y a la série, il y avait la série Chocolat et Vanilla, mais comme je suis en train de les relire pour faire la vidéo sur la collection Halloween, et bien, ils ne sont plus en étagère et je pense aussi que je vais les revendre. Voilà. Et donc pour terminer avec la maison d'édition Kurokawa, on a le manga Prince Eleven, un manga terminé en 10 tomes et qui est de Gō Ikeyamada, qui est en fait l'auteur qui est juste à côté de Je t'aime Suzuki. Voilà, Je t'aime Suzuki, j'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait même 3 bilans lecture si je dis pas de bêtises, alors que Prince Eleven, il n'y a plus de vidéo parce que ça date, je crois même de l'époque avant la chaîne YouTube qui était le blog. Voilà. Mais à savoir que c'est vraiment un manga très intéressant sur le foot et sur une fille qui se fait passer pour un garçon pour pouvoir se venger, et j'ai vraiment vraiment apprécié cette série à l'époque. Comme tu as pu le voir dans la prise de vue juste avant, on est donc avec la maison d'édition cette fois-ci, Akata. C'est donc l'avant-dernière ligne pour cette étagère. Donc bien entendu, tu t'en doutes, Akata est ma maison d'édition préférée avec Boys Love et Soleil. Donc forcément, c'est l'une de mes lignes, de mes étagères préférées. Je t'ai fait une prise de vue pour que tu puisses voir en fait à quoi ça correspondait au niveau du rendu quand il y a tous les mangas. Là, j'ai enlevé la première couche et on est avec la deuxième couche. Donc bien entendu, on est de gauche à droite dans l'ordre au niveau de mes lectures. Et bah voilà, donc on a le manga Double Jeu et Daisy, les CNF Fukushima qui sont du même mangaka que j'envisage de relire. D'ailleurs, je me demande, je vais te mettre en barre d'infos le résumé de Double Jeu. Parce qu'en fait, c'est dans le genre trailer, je crois. Et je me demande si ça pourrait pas coller avec la collection Halloween. Et comme je suis en galère monstre pour me trouver, je crois, 4 ou 5 petits titres pour Halloween, je me demande s'il pourrait pas faire l'affaire. Donc voilà, donc ça, c'est des mangas que j'ai présentés au tout début de ma chaîne.
et au tout début en fait de mes lectures Agatha. Ici on a Journal d'une fangirl qui était plutôt pas mal. On a un one shot qui est donc Pourquoi je galère toujours un amour, qui est en fait un manga en plusieurs chapitres avec plusieurs histoires différentes. Et on voit en fait plusieurs types de filles, la fille trop sérieuse, etc., etc. On a donc les 5 premiers tomes de Orange. Il n'y a pas le tome 6 ici, ni le. Bah, de toute façon, il n'y a pas encore eu le tome 7, mais tout simplement parce que forcément, le tome 6, je ne l'ai pas encore lu. On continue et on a donc le manga Je reviendrai vous voir, qui est un one shot. Ensuite, en one shot, on a Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, qui fait partie quand même des mangas que j'aime le plus au monde, et le manga de Hakata que j'aime le plus au monde. Ici, je vais le sortir vu qu'on ne voit pas le titre, c'est le manga Les Pommes Miracles que j'ai aussi. De toute façon, là, je les ai tous présentés, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on a le manga Rouge Éclipse. On a Ungly Princess avec le tome 7 qui est très précieux à mes yeux parce que, en fait, le tome 7, je l'ai eu, c'est mon premier partenariat et c'est mon premier partenariat avec Akata. J'ai les deux premiers tomes 1 parce que j'ai les deux versions. Voilà, je te montre vite fait. Ensuite, on a un one shot qui est sorti en l'an dernier scolaire, genre en septembre-octobre, je crois, qui est Tue-moi plutôt sous un cerisier. On a pris le manga plus jeune que moi, qui est terminé donc en 3 tomes. Après, on a donc la cale, la caisse, je sais jamais comment ça s'appelle, de Orange. Oups, voilà. Alors, pourquoi j'ai pas mis les autres mangas? Parce que déjà, ça rentrait pas. Et deuxièmement, parce qu'en fait, dans cette boîte, il y a tout simplement tous mes extraits manga. Voilà, tout ce qui est extrait manga, marque-page de manga, etc. Ici, on a des marque-pages donc de Agatha qui m'avait envoyé, si je dis pas de bêtises, avec le tome 7 de Ungly Princess. Donc, ils sont là. Quand on passe à la deuxième couche, donc je voulais d'abord te montrer ce côté parce que tout simplement j'ai déplacé le trépied comme tu as dû t'en douter. Donc, il y a les deux premiers tomes de World War Demon que j'ai fait en crash test en vidéo à l'époque de la sortie des deux premiers tomes. Ici, on a le tome 1 et le tome 2 de Game. Donc, j'ai lu le tome 1, je le présente lors d'une vidéo qui sortira fin novembre, début décembre. Et comme j'ai lu le tome 1 et j'ai plutôt apprécié, bah, j'ai déjà acheté le tome 2 vu qu'il est sorti. Quand on remet la première couche de manga, on se retrouve donc avec ceci. On a donc le manga Le mari de mon frère, donc il y a le tome 1 ici tout simplement parce que en fait dans la cale, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive qu'à mettre le tome 2, 3 et 4 mais pas le tome 1. Donc voilà, ça reste comme ça mais c'est pas très grave. Ici donc on a le manga Dernière heure que j'ai présenté. Alors là par contre c'est faux parce que forcément ça je l'ai présenté en mai, donc ce n'est pas au niveau de l'ordre de mes lectures, mais je l'ai mis là tout simplement parce qu'il y avait la cale et je préférais mettre la cale collée contre l'étagère. Voilà. Donc on a le Dernière heure qui s'est terminé en décembre si je dis pas de bêtises. On a le manga Le drapeau blanc que je t'ai présenté aussi. Ça je crois qu'il est sorti en octobre ou en septembre l'an dernier. C'est un one shot et c'est un manga que j'ai eu aussi en partenariat avec Akata. Merci Bruno si tu passes par là. Ici, on a donc Don't Worry Be Happy que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps parce que ça c'est une lecture quand même assez récente, ça date de 2018. Et ici, on a que les 5 premiers tomes de Magical Girl of the End, tout simplement parce que je n'ai pas encore filmé, le jour où je filme cette mangathèque, je n'ai pas filmé mon bilan lecture sur le tome 6 à 16. Donc il n'y a que les 4 premiers tomes, enfin les 5 premiers tomes, pardon. Et je ne pense pas en fait que je vais les garder, je pense que je vais les offrir à quelqu'un. Donc voilà, mais pour l'instant, je les ai quand même rangés ici. Quand on termine donc cette étagère, on se retrouve donc avec la maison d'édition Panini, parce que juste en dessous, tu vois, il y a des mangas. Mais en fait, pour l'instant, c'est là où j'ai rangé certaines de mes ventes. Voilà. Donc il y a vraiment un choix stratégique de pourquoi Panini en fait se retrouve tout en bas. Tout simplement parce que j'ai été longtemps fâchée avec eux. Alors, j'ai acheté leur manga parce que j'aime leur série, mais j'ai été longtemps fâchée avec eux à cause de leur qualité de manga qui était vraiment à déplorer. J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo coup de gueule. Et donc forcément je n'avais pas envie de les mettre en valeur dans mon étagère, donc ils seront retrouvés en bas. Maintenant, je leur fais plus du tout la gueule par rapport à ça. Voilà, ils ont amélioré leur qualité de manga, mais je ne vais pas refaire mon étagère, refaire mon rangement pour l'instant. Donc, je les ai laissés toujours en bas. Voilà. Je suis honnête, je vous le dis clairement, pourquoi ils sont tout en bas. Akata, non, c'est tout simplement que bah, ça s'est retrouvé comme ça parce que. Par exemple, Kurokawa, je les avais déjà depuis un petit moment et que après il me restait une étagère de livres parce que j'avais directement mis ici Panini et il me restait une étagère de livres. Comme Akata, ben, je les ai eus quand même vers la fin. J'ai mis ça dans la seule ligne qui me restait en fait. Voilà.
Donc, quand on est sur la deuxième couche, alors, te pose pas des questions en fait sur les côtés. C'est tout simplement du matériel pour du cosplay. Donc là, c'est un tapis de sol. Et le côté aussi, on a eu du tapis de sol et du coton. Voilà, je le dis au cas où. Donc voilà ce qu'on a en première ligne. Et on a donc, comme tu peux l'apercevoir, une deuxième ligne. Donc je vais faire une petite pause, enlever tout ça et te montrer. Donc au niveau de ma collection des mangas Panini, donc là ils sont vraiment rangés dans l'ordre de lecture. On va avoir donc le manga A Romantic Love Story qui est en 14 tomes. Donc ça, il faut voir que j'ai en fait presque toute la collection de ce mangaka qui est Kao Miyasaka, qui est un des mangakas donc que j'aime le plus. D'ailleurs, dans la vidéo du 30 day challenge manga des mangakas, je l'ai présenté. Donc voilà. Romantic Love Story fait partie des 10 premiers mangas que j'ai dû m'acheter, je pense. Donc voilà. Après, on a Binetsu Tsojo, du même mangaka. Care First Love, donc qui est toujours la même mangaka. On a Dites-moi que j'existe, qui est un manga que j'arrête pas de te parler parce que c'est un manga que je surkiffe. Alors, au cas où, je le redis, hein, mais là, forcément, je filme. Alors, j'ai fait une pile de mangas avec ceux qui étaient devant. Mais je filme pas avec le trépied, donc c'est pour ça que ça bouge un peu. Et donc pour terminer, on a le manga Lovely Devil, qui est donc un manga terminé en 11 tomes. Et c'est un manga plutôt pas mal. Donc en ce qui concerne par contre les éditions Panini, là, dans tout ce que tu viens de voir, je peux te prévenir et te le dire déjà que ce sont des mangas donc, que je vais relire et représenter quand j'aurai donc déménagé. Alors il faut savoir par contre en ce qui concerne la Mangatech pour cette ligne qui est en fait une erreur tout simplement parce que Lovely Devil je l'ai lu bien après le manga Kiss in the Blue et Désir c'est Max. C'est juste que tout simplement je voulais mettre en fait tous les Kao Miyasaka c'est ça du même côté en fait voilà que ça soit devant derrière mais qu'il n'y ait que Kao Miyasaka devant. On a le manga Real Kiss qui est un one shot et je crois que c'est un manga un chapitre une histoire. Il me semble que je ne l'avais pas du tout aimé, je tiens à te le dire comme ça, mais je l'ai gardé tout simplement parce que je veux avoir toute la collection de Kao Miyasaka. Voilà. Donc le manga Désir, c'est Max. Je ne sais jamais comment ça se dit en fait, le C dans le rond. Voilà. On a Tarantaranta. On a le manga Inséparable que j'ai pas dû lire il y a très 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 longtemps, qui est vraiment un manga génial. Mais il faut savoir que je suis vraiment très 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 friande des séries où on a donc deux personnages qui sont meilleurs amis d'enfance et qui se finissent par se mettre en couple. Je trouve ça tellement beau ce genre de relation-là que j'adore. Et donc pour terminer, on a deux autres séries de Panini. Donc on a ça, je vais te le laisser le lire. Voilà. Et c'est de l'auteur en fait qui a fait Vampire Knack. Et c'est la seule œuvre en fait de l'auteur que j'aime énormément. Ça parle de ninja, donc c'est pour ça. Je l'ai présenté il n'y a pas spécialement longtemps, donc je pense que la vidéo est encore de qualité. Et on va terminer avec Herbeats, qui est un manga donc en 5 tomes et que j'ai présenté il n'y a pas spécialement longtemps. Je pense que ça doit dater de l'an dernier, grand maximum. Je viens de me rendre compte qu'en fait, depuis tout à l'heure, je te dis que j'ai 3 étagères parce qu'en fait, j'ai 3 gros meubles. Mais il y a un tout petit meuble aussi que j'ai où j'ai mis quasiment toute ma collection des éditions Soleil. Je les ai complètement séparés. Soleil, ils ne sont même pas dans cette pièce. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement que là, on va commencer donc par la ligne du bas et on va aller de bas en haut pour ce meuble-là. Tout simplement parce que les deux dernières lignes, ce sont les yaoi et les hentai. Mais avant de te présenter les yaoi et les hentai, je te présenterai donc mon étagère de soleil. Voilà. Donc pour cette ligne-là, on est sur une ligne fourre-tout tout simplement parce que c'est une ligne où j'ai 3 maisons d'édition où je n'ai pas grand-chose de chacune. Donc j'ai tout mis sur une ligne parce que je n'ai plus de place sinon pour faire une ligne par maison d'édition. On va avoir donc là les éditions Nobinobi. Donc on a 3 mangas que je t'ai présentés. Pan Panda, Une vie en douceur et Nekojima, l'île des chats qui sont du même mangaka qui est Sato Harokuda. Ici, on a les 3 premiers tomes de Chocotan. Donc j'ai fait un crash test sur les 2 premiers et j'ai acheté tout simplement le tome 3 cet été. Et d'ailleurs, je vais commander normalement dans 2 ou 3 jours le tome 4 de Chocotan. Donc à l'autre bout de cette ligne, on se retrouve donc avec 2 séries de 2 maisons d'édition, pareil où j'ai qu'un seul titre. On a donc le manga La Cité des Esclaves de Casterman que j'ai présenté il y a peu parce qu'il s'est terminé il n'y a pas très très longtemps du coup en France. Et on a donc les 3 premiers tomes de Monster Musume. J'ai fait une vidéo crash test sur les 2 premiers tomes. Pareil, j'ai acheté le 3e tome cet été. Et le tome 4, pareil, va pas tarder à arriver parce que je vais le commander en même temps que le tome 4 de Chocotan. Et pour ce qui est d'ici, en fait, en dessous, on a tout simplement des gachapons que j'ai achetés sur Candyson, que j'ai exposé ici. Donc là, c'est une collection What the Fuck que j'ai fait au niveau des gachapons. Ici, c'est des strass. Et là, on a carrément des trucs comme ça.
Là, si tu veux retrouver, c'est sur la chaîne Les Collections d'Ibi. Je pense pas que je l'ai mis sur la chaîne Ibi Otaku, et c'est donc la collection What the Fuck. On se retrouve donc sur la deuxième ligne en partant par le bas et on se retrouve avec la maison d'édition Kiun où j'ai quand même une bonne collection. Bon là c'est sûr que j'ai une série en 19 tomes mais voilà donc il reste pas vraiment grand chose. Je peux caser quoi? 6, 7, 8, 9, 10, allez 15 mangas à tout péter. Voilà. Donc comme tu peux le constater une fois de plus on se retrouve avec ici des objets que j'ai eu en gachapon donc de Candy-san et que j'ai ouvert en vidéo. Donc on va commencer par la première ligne tout simplement parce que comme il y a deux titres et que le il y en a un, il prend quand même presque tout. Je vais d'abord te les présenter et après on fera la ligne derrière, ce sera plus simple. Donc on a le manga Rash ou Reish, je sais plus du tout comment ça se prononce, de Tsukasa Ojo, donc l'auteur de 416 et de Nicky Larson. C'est la seule série que j'ai préféré garder parce que tout simplement toutes ces petites histoires en fait elles ne m'intéressent pas et elles me plaisent absolument pas. Et Reish ou Rash, je sais jamais comment ça se dit, j'ai vraiment apprécié cette série et j'envisage d'ailleurs de la relire pour te la représenter. Après on a le manga Kurokami Black Gold que j'ai présenté il y a peu parce que je crois qu'il date de cette année. Et c'était vraiment un manga très intéressant. Alors tu constates que en fait il y a le tome 1, il est en double tout simplement parce que quand j'ai commencé la série j'avais tellement peur de ne pas apprécier que j'ai préféré prendre un tome 1 sans couverture qui coûterait moins cher pour pouvoir essayer. Et après comme j'ai vraiment apprécié cette série, j'ai racheté le tome 1 en version avec une jaquette. Voilà. En ce qui concerne cette étagère par contre de Kiun, je viens de me rendre compte qu'en fait il y a une énorme erreur au niveau du rangement. Tout simplement parce que ce n'est pas de gauche à droite mais de droite à gauche. C'est à dire que là ce sont les premiers titres quasiment que j'ai lus. Bien qu'en fait il y a une grosse erreur aussi parce que j'ai commencé au niveau des éditions Kiun avec Jackals puis Nui. Et après Biter Virgin, Blood Parade, tout ce qui est Dojut Secret et après tout ce qui est là-bas. Donc en fait cette étagère est complètement fausse. Voilà, donc on a le manga Le Berceau des Esprits que je t'ai présenté il n'y a pas des masses longtemps je pense sur la chaîne. Donc c'est un survival game et c'est de Kei Sanbei qui est l'auteur de Irez, un truc comme ça qui est assez connu. Après on a une autre œuvre de ce même mangaka qui est L'île de Ozuki. Un manga vraiment pas mal parce que ça te fait retourner le cerveau comme pas possible. Blood Parade que je vais pas tarder à relire. D'ailleurs je me demande si ça pourrait pas être intéressant que je le présente pour la collection Halloween. Parce que je crois qu'il est sur les vampires. On va regarder ça ensemble. Bingo, c'est sur les vampires donc je vais me le mettre d'ailleurs de côté. On va le prendre ensemble. Et je te présenterai pour Halloween. Voilà, hop. Après on continue avec Biter Virgin que je te tanne, enfin je n'arrête pas de t'en parler sur la chaîne, surtout dans tout ce qui est FAQ, tout ce qui est 30D Challenge manga. C'est un manga vraiment génial sur une histoire, je pense, vraie et qui est vraiment très 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 belle. Très triste mais génialissime. D'ailleurs pareil, lui ça va être un des mangas que je pense que je vais te représenter très rapidement. Mais ce que j'aimerais faire c'est le présenter peut-être contre une journée internationale style contre le viol ou le harcèlement sexuel, un truc comme ça. Parce qu'en fait c'est une jeune fille qui a été violée et qui est tombée enceinte, qui a dû avorter, etc. Donc voilà, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal pour une journée internationale contre quelque chose comme ça. Si jamais tu connais voilà, une journée internationale par exemple contre le viol, le harcèlement sexuel ou un truc comme ça, n'hésite pas à me le dire. Après on a un manga, le manga Nui. Alors en gros de base le résumé est quand même assez mignonné parce que c'est une jeune fille qui arrive à rendre ses peluches vivantes, mais c'est quand même pas tout doux. Donc voilà, ne pas mettre forcément dans les mains des tout petits parce que c'est assez méchant il me semble quand même. Pareil, il faudrait que je le relise, mais je vais attendre quand même d'avoir déménagé parce que je crois que je l'ai relu il n'y a pas très très longtemps. Jackals que j'ai dû représenter il y a peu, qui est vraiment un manga génial et je l'ai vraiment aimé et j'ai vraiment aimé même le relire. Et donc pour terminer cette étagère, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, donc j'ai Double, Judge et Secret. Honnêtement j'ai vraiment aimé Double et Judge, Secret m'a un peu plus déçu. J'ai jamais fait de vidéo sur ces séries, donc n'hésite pas à me dire si tu veux que je te fasse une vidéo sur mon avis sur les trois séries. Parce que bah voilà, ça pourrait très bien me faire trois vidéos, n'empêche pour l'an prochain. Pour 2019 pour la collection Halloween, ça fait trois vidéos vite fait. Voilà, donc n'hésite vraiment pas à me dire ça. Donc on passe sur la troisième étagère et la troisième étagère en fait c'est une étagère fourre-tout, tout simplement parce que comme tu peux le voir on a du Kana mais on a aussi du Doki Doki, sachant que Kana c'était quand même sur le premier meuble, je le rappelle.
Donc on a ça et de l'autre côté en fait on a ma collection Komiku. Ouais, il y a trois titres en fait. Mais c'est les trois seuls que j'ai gardés. Et encore, il y a une série ou deux que je vais relire et après je verrai si je les revends ou pas. Voilà. Donc cette étagère, en fait, déjà je voulais complètement séparer Yu Yu Hakusho de Kana de toutes mes lectures. Parce qu'en fait, Yu Yu Hakusho de Kana, je ne l'ai pas lu. Soyons honnêtes. Tout simplement parce que j'ai vu l'animé et que Yu Yu Hakusho fait partie vraiment des mangas qui sont très 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 importants à mes yeux parce que il faut savoir que cette série en fait m'a sauvée au niveau de ma dépression et surtout de ma dépression pendant le collège. Voilà. J'ai acheté d'ailleurs aussi le tome 1 qui est d'ailleurs Stitch en japonais. Voilà. Alors le petit Stitch au cas où il vient carrément de Disney Store. Et après donc on a les deux séries de Doki Doki que pour l'instant j'ai gardé. Donc quand je vous dis que j'ai lu beaucoup de Doki Doki et que j'ai vraiment très peu de taux de réussite, ce sont les deux séries que j'ai réellement aimées. On a donc le manga Kimok qu'il faut absolument absolument que je relise, d'ailleurs qui parle de l'univers du mangaka avec un peu d'ecchi qui est plutôt pas mal. Et Sa Majesté le Chat qui est le premier Kodomo que j'ai lu, enfin par rapport aux vidéos je veux dire. Et c'est aussi le Kodomo qui m'a donné envie d'en écrire un en particulier. On continue donc avec mes trois titres de Kumiku. Quand je me dis tout ce que j'ai lu était le seul que j'ai gardé, ça fait un peu mal, un peu comme Doki Doki d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai mis sur la même ligne honnêtement. Donc en ce qui concerne Doki Doki, on a d'abord Fatima. Donc là c'est dans l'ordre de lecture, c'est de droite à gauche. Voilà. Quand je sépare comme ça, c'est toujours de droite à gauche. Donc Fatima qu'il faut que je relise et donc je vais te le relire pour l'été prochain, donc je te le présenterai dans le mois d'août. On a le manga Kiriko, qui est un manga spécial Halloween et qui est vraiment génial. J'avais vraiment aimé en fait plus ou moins le message qui était caché derrière ce manga. Et on a le manga Assassin, qui est vraiment un type de manga que j'apprécie. On a eu aussi le manga Relord qui est de Doki Doki. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est des séries tellement courtes qu'en fait elles sont mal développées. Et ce qui est vraiment dommage, même si j'ai quand même plutôt bien aimé Assassin. Sur la ligne suivante, et je suis désolée, vous êtes plus très droit, mais le trépied il commence vraiment à fatiguer. On a donc les dernières séries de Soleil que j'ai lues, tout simplement parce que les autres sont donc sur une petite étagère. Et que Hihi the Beast, qui est en 13 tomes, ne rentrait pas au niveau largeur de cette étagère en particulier. Et comme c'était la ligne où avant il y avait les Soleils, bah, j'ai tout simplement remis les Soleils. Donc on a Hihi the Beast, qui est de Saiki Aikawa. On va avoir Master and Slave de Hai Hibiki. Je n'ai pas gardé Teach Me Love. Voilà, je ne considérais pas que j'en avais besoin. D'ailleurs, Master and Slave, je pense que je vais soit le revendre, soit vous le mettre en concours de Noël. À voir. Et on a Be My Slave aussi, qui est un manga en 4 tomes. Et donc, l'étagère soleil se compose comme ça. Avec quelques figurines de Naruto que j'avais acheté. Pareil à Manga Story, un truc comme ça, qui est donc dans la rue Keller. Et les figurines Pokémon que tu vois devant sont dans les Choco Egg que j'ai acheté aussi sur le site de Candysan. Donc je le redis une fois de plus, comme tu peux le voir, la caméra tremble, c'est tout simplement parce que je suis obligée de tenir la caméra dans mes mains et ne pas utiliser le trépied. Et donc comme je te l'avais expliqué, en fait la collection Soleil donc, se retrouve dans une étagère complètement différente. Donc je te montre vite fait, voilà, pour que tu te rendes compte. Donc en haut, on va avoir, c'est quoi? Private Lullaby, qui est un manga qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Dangerous Love, que je dois relire un jour. Ne me repousse pas aussi. Et on a Living in a Happy World, qui est un manga avec une relation entre un professeur et son élève. Donc voilà. Un manga qui était plutôt pas mal, mais la qualité des dessins par contre peut déranger certains. Quand on descend donc la première étagère, on atterrit du coup sur une ligne complètement concentrée avec Saiki Aikawa, bien que donc on n'a pas Hihi the Beast vu que c'est une série bien trop longue. Mais sinon, on a à peu près toutes les séries de Saiki Aikawa qui se trouvent ici. Donc je les ai toutes présentées en vidéo. Ensuite, sur cette étagère, alors je suis désolée, il y a une migration quand j'étais petite à côté. Alors, on a Trop jeune pour moi que j'ai déjà lu mais que je n'ai jamais présenté en vidéo donc ça se fera. Secret Feeling qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est vraiment très intéressant, série en 2 tomes qui est plutôt pas mal. Après, on a principalement donc en debout du Aya Oda, donc à part Private Secretary que j'ai présenté, les autres je ne les ai pas présentés.
On continue donc avec Love Saruyama, qui est un manga donc en 8 tomes, c'est un shoujo, je l'ai présenté il n'y a pas très très longtemps. Et si tu veux un shoujo qui change complètement du classique, celui-ci est génial. Il est beaucoup dans le comédie d'ailleurs. Après, je suis désolée, je suis obligée de faire comme ça. On a donc toutes les œuvres de Kakomitsuki qui sont disponibles en France. On n'en a que 4, il y en a 7 au Japon, si je dis pas de bêtises. Ici, on a Sensuel Love Affair, qui est un one shot de 5 ou 4 histoires courtes que j'ai présenté il n'y a pas très très longtemps. Et après, on a L'âme mélancolie de Sumire, qui est un manga de Yuki Obata, qui est un mangaka qui a une autre œuvre aussi de disponible en France, mais je ne l'ai pas encore lu. Et aussi une œuvre plutôt intéressante et plutôt pas mal. Donc je suis désolée, je suis vraiment là en galère parce qu'il n'y a vraiment pas d'espace pour pouvoir filmer au niveau de la caméra. J'ai oublié de dire forcément La mélancolie de Sumire, je le représenterai. Ensuite, quand on descend, on atterrit encore sur du soleil bien entendu avec I'm the only wolf. Je crois que je l'ai représenté il n'y a pas longtemps. On a Mangaka Editor in Love, donc qui est un manga qui parle de l'univers du mangaka, qui était vraiment intéressant. Et par rapport à un autre manga où on nous avait promis une romance et que c'était pas vrai, là t'as une romance. Après on a Liar Prince and Fake Girlfriend que j'ai présenté il y a peu sur la chaîne. Donc je suis désolée vraiment pour la fin de cette étagère, il me reste plus que celle-là, ligne à te présenter. Donc tout au fond on a Please Teacher, qui est un manga en fait qui est repris d'un animé. Enfin, ou l'inverse, hein, mais voilà, j'ai acheté le manga juste pour ça. On a ma E-Girlfriend, qui est un manga stoppé en 5 tomes et qui était vraiment très intéressant. Il faudrait que je t'en reparle. Super Darling, qui était pas mal. Après, on a quoi? Tokyo Summer of the Dead, qui beaucoup ont craché dessus. Moi, je l'ai plutôt bien aimé. Et après, on a Hunt, le jeu du loup-garou, saison 1. En ce qui concerne ma collection de mangas, il faut savoir donc que j'ai deux séries, on va dire ça comme ça, en carton, carrément, depuis le départ, tout simplement parce que Banana, il y avait quand même pas mal de tomes et je m'étais dit que ça permettait de libérer une planche entièrement. Et après, dans une autre boîte à côté que j'ai à côté de moi, je te montrerai juste après, c'était Samurai d'Hyper Kyo et pareil, ça faisait 38 tomes, donc ça faisait quand même beaucoup de place sur une étagère, donc j'avais directement mis en carton. Donc là on a l'intégralité de Nana et Paradis Kiss. Paradis Kiss je l'ai mis là avec, parce que déjà c'est du même auteur et surtout parce que ça me permettait aussi de pouvoir ranger un manga qui est bien plus grand que la norme. Parce que voilà, pour que tu aies une idée de la différence de taille. Donc là ça rentre bien, c'est protégé de la poussière, c'est parfait. Donc comme je te l'ai dit à l'instant, j'ai aussi donc la série Samurai d'Hyper Kyo en carton comme ça. Et comme tu peux le voir, ça prend quasiment tout le carton, donc c'est pas plus mal. Et au moins ça me libère quasiment une planche entière, en tout cas une couche de manga. Et ça c'est pas négligeable quand on a une mangathèque et surtout quand on n'a pas forcément beaucoup de place. Parce que je ne peux pas rajouter du tout un meuble de plus dans la pièce où il y a les mangas. Donc forcément je suis obligée de faire avec les moyens du bord. On attaque donc avec ma collection de hentai. Alors là, je suis vraiment désolée parce que je fais avec les moyens du bord. C'est mon téléphone qui sert de lumière. Donc en ce qui concerne ma collection de hentai, comme tu peux le voir, je possède la série Step Up Lost Story. Donc j'ai l'intégralité, j'ai même le petit bonus, le livre bonus. Donc ça fait comme ça, là, là. Et après j'en mets devant en fait tout simplement. Et donc je possède les 50 tomes qui sont disponibles en France. Pour vous donner une idée, en fait, là, on se trouve en fait dans ma chambre à moi, pas la chambre où il y a les mangas, et on est dans ma table de nuit. Voilà, donc l'univers tout cute de ma chambre avec les peluches, en fait, si on ouvre ma table de nuit, on tombe directement sur du hentai, ce qui est très logique. Mais j'ai jamais su où les mettre, et comme il y avait quand même une série assez longue, je me suis dit pourquoi pas là. Donc voilà, là, on a jusqu'au tome 41. Et. Je suis désolée, c'était juste la porte de la table de nuit. Et donc, j'ai bien les autres. On a le tome 42, 43, 44, 45, 47 et 49. Donc, en fait, j'ai rien dit en voulant ranger. Donc, vu que j'avais tout enlevé, j'ai bien les derniers volumes. Donc là, j'ai le tome 46, 48 et 50. Donc, j'ai bien l'intégralité de la série. On était là tout à l'heure, donc au niveau des mangas de soleil. Et on passe à l'étagère au-dessus. On va être sur du hentai. Et après, ça va être les yaoi. Donc l'étagère au-dessus, on a d'abord le manga Le Journal de Sakura, qui est un manga je crois qui est en 19 tomes, c'est un hentai. Alors je préviens, je suis en équilibre sur le lit et je tiens la caméra. Donc voilà, c'est un manga qui m'intéressait quand il est sorti et tout ça. Sauf que en fait j'avais pas l'âge et je voulais respecter l'âge. Et quand j'ai eu l'âge, je crois, ça a été stoppé. Ici on va voir donc les mangas de soleil hentai que j'ai présentés. Ici, on a les hentai
que j'ai gardées, qui sont donc Hot Manga et Taifu. Voilà. Ensuite, on monte ici, on a ma collection de hentai que je n'ai pas encore lu. Et on va faire une petite dédicace au youtubeur Dragmar. Alors juste au-dessus, en fait, c'est que j'ai mes collections de perruques, de cosplay. Et donc là, on a mes yaoi et mes yuri de Taifu. Et on a aussi Asuka de mélanger. Je te laisse un petit peu lire, même si je tremble un petit peu. Donc voilà, la mangathèque est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo assez longue t'aura plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouverai sûrement en début d'année pour une nouvelle vidéo mangathèque. Car je vais faire beaucoup de rangements. Vu que je vais déjà mettre de côté certains mangas que j'envisage d'emmener avec moi. Donc quand j'aurai déménagé. Sur ce, à bientôt !